moteur, direction Millière. Bon bah voilà, 18h15, on fait le tour du circuit avec Cheven. C'est pas mal. Maintenant on attend Sarah pour faire les contrôles techniques. Et puis voilà. Ah ouais, pif paf, le gros plan. Ma tête. Bonjour. Oui, c'est moi. Tes impressions du terrain? Écoute, c'est sablonneux. C'est bien. Ah bon, on va faire du château de sable aujourd'hui. Après, c'est pas vous qui faut poser la question, c'est pas moi le pilote. Hein. Non, franchement, la piste est top. Ça va être bien demain. Bonjour à tous, il est 7h30, on va partir de l'hôtel, direction le circuit. Aujourd'hui, elles sont 41 pilotes, elles sont donc dans deux groupes. Sarah et Cheven sont au deuxième, elles commenceront à 9h. Hier, on a fait le montage des structures, on a passé la moto contrôle technique, et puis voilà, ça annonce une belle journée. Alors, il est 8h30, le premier groupe est parti, les motos sont prêtes pour Sarah et Cheven. On a fini les chronos, donc je vais laisser la place à Cheven à commencer à parler. Pour moi c'était très bien chrono, j'ai bien aimé la piste, c'était top. Et je fais un bon chrono, je fais 8e de mon grand. C'est ça. Alors moi un peu plus compliqué parce que j'étais pas très à l'aise sur le terrain. Donc je fais le 9e temps de mon groupe, donc du groupe B. 10. Ok, voilà. Voilà, et puis maintenant on attend 14h pour la première manche. A tout à l'heure. Oh, je suis plus souple hein. Oh papy.
parti, d'aller sa première manche. Comme une deuxième vie, une vie de routier dans les bouchons. Bon, voilà, retour de la troisième épreuve à Millière. On est lundi. Malheureusement, on n'a pas pu faire le reste de la vidéo hier soir, vu que les filles avaient pas mal de route. Du coup, on fait le final ce soir. Pour revenir sur le week-end, bah, c'est pas trop mal passé. Cheven a bien roulé sur une piste qu'elle a appréciée. Elle fait 13e en première manche et 6e et 5e sur 25. Sarah fait 16e et 7e sur 25. En deuxième manche, Cheven fait 14e et 6e sur 25. Et Sarah, prise dans un accrochage de départ, elle finit 16e et 7e sur 25. Bon, maintenant place à la quatrième épreuve, le 17 juillet à Houville. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit pouce bleu et puis on se retrouve à Houville. Ciao !